Salut à tous, donc c'est Seb, on se retrouve comme vous venez de le voir pour une petite découverte du mode Endurance Pack qui vient de sortir sur RF2, donc qui est sorti le 15. Je vais vous faire juste une petite découverte en fait des différents véhicules sur différents circuits. J'ai pas vocation à être un super testeur de mode ou de véhicule. En fait, ce sera au moins l'approche, la physique, les graphismes et tout ça un peu le. On va dire, c'est pas un test, c'est une review plus ou moins rapide de ce mode. Alors, avant de commencer ce test, je voulais juste préciser, et je vais le dire une seule fois, parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire, et je vais mettre en place, enfin, en tout cas je vais vous mettre dans la description, l'adresse de mon compte PayPal. Je me suis tout le temps dit de ne jamais faire ça. Malheureusement, aujourd'hui, je vois que tout le monde le fait. Alors, Seb, pourquoi tu te lancerais pas là-dedans non plus? J'aime pas faire l'aumône, j'aime pas faire demander la charité. Mais 1 euro, 2 euros, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Et notamment ce pack-là, il coûte 15 euros. Avant de l'acheter, je savais pertinemment que j'allais pas forcément l'utiliser tous les jours. Donc, vous savez que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien partager. Mais malheureusement, on n'en vit pas. J'ai aucun sponsoring, j'ai rien du tout. Donc, si les autres le font, pourquoi pas moi? Alors, je le dis une seule fois et je ne le ferai pas tout au long de mes vidéos. À chaque fois, le lien PayPal sera en dessous dans la description de chaque vidéo. Celui qui veut, tant mieux pour moi. Celui qui veut pas, bah, tant pis pour moi. Je veux dire, je vais pas faire l'aumône. Si vous trouvez que le travail est de qualité, je sais même pas la somme minimum que l'on peut donner sur PayPal, mais même 50 centimes. Voilà. Si vous, ça vous a aidé à vous faire votre avis, si vous, ça vous a aidé à vous faire un choix, voilà. Alors, je vous demande pas 50 euros, quoique je les prendrais bien. Mais voilà, c'est vrai que ça permet d'avancer dans la chaîne et de proposer quelques contenus variés. Voilà, je ferme la parenthèse et on va se lancer dans la présentation un peu de ce mode. Donc le mode Endurance Pack. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce mode? Alors je vais vous montrer un peu tous les véhicules qu'il y a. On va commencer par la première. Hop, la BMW M8. C'est, je crois, la première fois que je teste ce véhicule-là. Sur une simu. Alors graphiquement il est très très bien fait. Hop, vous voyez, c'est quand même du bon boulot. Première voiture, hop. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Il me semblait que je les avais tous mis. Alors, ils sont pas regroupés dans un dossier. Ça, c'est un petit peu dommage. Ici, là, voilà la petite. Hop. La Corvette C7R. En rouge pétant. Ça fait un moment que j'avais pas mis les mains sur RF2, mais ils ont dû changer le fond. En fait, il n'y a plus d'ombre, donc on voit parfaitement le véhicule sous tous les angles. Avec le superbe diffuseur. C'est vrai qu'elle est belle aussi. Hop. Ensuite, on a quoi? On a forcément la Porsche. Et ben, on va les faire dans l'ordre. On va faire la Norma, la LMP3. Pas mal également, modèle différent.
Allez, on continue. Il y a l'Oreca 07 également en LMP2. Donc il y a plusieurs skins à chaque fois. Voilà. Et on va terminer sur la Porsche. Donc ça doit être... Là, comme j'ai dit, je pense dans la vidéo après, c'est écrit Porsche 991 RSR. Donc, alors que c'est une Porsche 911, enfin, je peux me planter, mais non, et je pense qu'ils se sont un peu loupés là-dessus. La 911, qui est sortie sur toutes les plateformes, enfin sur toutes les simus. Pareil, elle a de la gueule. Sacrée voiture. Voilà. Bref, on vient là-dessus. Donc, au moment où je vous parle, je ne sais pas comment je vais faire la vidéo, parce que je pense qu'elle va être très très... Enfin, elle risque d'être très longue si je la fais en un seul morceau, en une seule vidéo. Donc, je pense que je vais la couper en deux. Je sais pas encore comment je vais cutter, hein, si je vais faire 3 et 2, enfin je sais pas encore. Donc voilà, on a fait la présentation, maintenant on passe sur la piste et on va regarder ça de plus près. Allez, donc comme prévu, premier combo, la Corvette C7R sur Sebring. J'ai essayé de prendre les circuits qui correspondent plus ou moins à des étapes d'endurance. Allez, on est bon. Tout est prêt. On va y aller. Alors, je précise pas, mais je pense que je vais faire très très peu de setup. Je vais les essayer, pardon, plus ou moins brut. Pour voir un peu si déjà la baseline est pas mauvaise. Bon freinage déjà. Le son est correct, assez rock. Le bruit dans la caisse sont pas mal non plus. Les bruits des pneus, ça passe très très bien aussi. Je peux vous dire, dans le volant, ça tire. J'ai peut-être mis le FEB un peu trop fort.
elle tient la route. Elle est difficile de la mettre en défaut, hein. C'est vrai qu'elle accroche très très bien le pavé. Même à l'accélération, ça bouge pas. Allez, on termine sur ce tour-là. Non, franchement, c'est une bonne auto. Thank you.
Allez, deuxième combo, on se retrouve avec la Porsche 911 RSR. Alors, c'est bizarre en ce qui me concerne, juste à titre indicatif, je crois que sur le jeu c'est indiqué Porsche 991 qu'on choisit dans le listing. Donc on a choisi de faire ça sur Le Mans. On va écouter le bruit. Allez, on y va. C'est la version 2017 du Mans. Si vous voulez les liens des différents modes, n'hésitez pas. Allez, on retire l'émetteur. Ouh, ça chante. Oh putain, on sent tout de suite là. Le blocage des roues. Alors encore une fois, je l'ai pas modifié. Donc je suis peut-être un peu limite dans la ligne droite. Ah, ça déroule tout seul, hein. C'est vraiment agréable. Que je la compare aux autres jeux, ça pourrait être intéressant. Notamment Assetto et Projet de Cars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire.
T'es un petit peu gourmand là. Ça, avec la nuit qui tombe et peut-être un peu de pluie, ça peut vraiment le faire. Il y a moyen de largement aller plus vite. Je suis encore un peu sur la réserve pour essayer de vous faire un tour assez propre. Mais ça tient vraiment bien la route. Le freinage, c'était du tout bon aussi. Ça tape dans le volant. J'ai attaqué un petit peu plus là. Ah, là aussi. Bon, et ben voilà. Essayer d'aller un peu trop vite. Allez, on va sur le troisième combo. Thank you.
Allez, on est parti sur le troisième combo. Fuji Speedway en BMW M8. Déjà là, le son. C'est déjà pas mal là. On va se méfier, je connais pas trop le circuit. Je l'ai téléchargé pour l'occasion. Celui-là il était très serré, celui-là. Pas vu venir. Hein. Ah, dans le casque, ça donne. Hein. Elle est pas mal non plus celle-là. Hein. Paraît un petit peu plus lourde. Et voilà, on a fait les deux tours. Et on en ferait plus. Allez, combo suivant.
Allez, cette fois-ci on est à Spa avec la Norma M30, donc c'est une LMP3. Ça devrait aussi tenir le pavé. Ouais, c'est pas du tout le même délire. J'aurais peut-être dû rallonger la boîte. Ah, c'est pareil, hein, ça vit dans le volant. Je peux vous dire que les infos, il y en a. Hein. Alors avec ce type d'auto, on voit rien du tout à la corde. C'est pénible. Et on va le tenter à fond, mais bien sûr, ça passe à fond. Un raidillon à fond de 6. Allez, on va essayer de retarder le freinage. Un petit peu juste. Large. Ouais, on essaie de trouver la limite de la voiture, c'est...
pas toujours simple, mais en tout cas pareil, hein, même constat que les autres. Ça tient très très bien la route. Voilà, comme pour les autres, on fait deux tours et on s'arrête là. C'est joueur, c'est marrant, c'est pas ma préférée, mais elle est bien rendue aussi. Allez, dernier combo. Allez, cette fois-ci on est sur l'Oreca 07 en catégorie LMP2. Je me suis dit, c'est pas grave, on va reprendre le Mans. Hop. Sympathique le bruit. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. On est déjà à 2,90. 2,98. Je vais freiner bien, bien avant.
on va essayer de la faire monter à 300. Pas de raison. Si on le fait pas ici. À 16. Ah, c'est du sport, hein. Taper les 300, je suis allé un peu trop loin.
Ça se conduit bien aussi. Facile à manier. Ça prend bien les courbes. Et voilà. Et bien on a fait le tour, on se retrouve pour la pseudo-conclusion de ce petit test du mode endurance sur un Factor. Thank you.
Allez, on se retrouve sur le moment pour une petite course comme ça, juste pour le petit débrief. Donc, je suis en Porsche, donc on est en session multicatégorie. Ils ont quand même de la gueule, hein. Enfin les skins et tout ça, ils se sont pas loupés. Enfin, on va attendre une ligne droite pour faire un. La Porsche en travers, pour faire un petit récapitulatif. Alors, qu'est-ce que je pense de ce mode? D'abord, on va déjà parler du choix. Il y a quand même 3 GT3 GTE et 2 Proto, une LMP3 et une LMP2. Donc déjà, c'est pas trop mal. Et là, je vais me faire doubler, ce qui est logique. Le prix, ça doit être 4,99 € la voiture. Et si on prend le pack complet, donc le pack endurance, on est à 15 €. Donc ça fait que si on en prend que 3 individuellement, ça nous fait 15 € le même prix. Donc on en a entre guillemets deux gratuites si on prend l'ensemble. Est-ce que c'est cher? Alors, on n'aura pas tous la même réponse à cette question. Moi, je trouve que 5 € pour une voiture de cette qualité, c'est correct, c'est très correct. Elles sont bonnes, on a des bons ressentis, le freinage, les sons, la modélisation. Alors, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon boulot. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pour ceux qui jouent majoritairement online, si vous voulez jouer avec d'autres personnes, il va falloir que les autres personnes achètent également ce pack. Et c'est là où ça va peut-être pêcher un peu. Quand tu achètes ce type de pack, par exemple sur Assetto Corsa ou Project Cars, il y a plein de lobbies qui sont ouverts pour justement y jouer. Là sur RF2, c'est beaucoup plus limité et ça a déjà été l'une des reproches principales que j'avais fait à ce jeu. C'est que le côté online, à part si tu es dans une team, eh ben c'est peanuts. C'est très compliqué de trouver les serveurs. Enfin, comme ça, c'est moi, c'est les difficultés que j'éprouve. Si vous avez des astuces, je suis preneur, mais j'ai pas trouvé. Donc ça veut dire que bah, déjà celui qui prend le pack complet, il va y jouer majoritairement en solo. Après, on peut prendre une voiture et puis essayer de se faire un championnat dessus. Ce qui est un peu dommage. Mais ça se fait, hein. Moi, je veux dire, par exemple, demain on me dit on fait un championnat sur la Porsche. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, ce qui se traîne à l'ABM. Alors, j'espère que la vidéo, pardon, vous aura un petit peu aiguillé. Si c'est pas le cas, au moins vous aurez vu un peu à quoi ça ressemble. Moi, eh ben, je sais pas du tout. Enfin, est-ce que je peux vous le conseiller? Ben, encore une fois, si vous êtes en solo, allez-y. Que vous voyez, je suis en multiclasse. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Configurez votre session aux petits oignons comme RF2 le permet. Mais si vous préférez jouer en ligne, et ben
pas dire passer votre chemin, c'est con parce qu'en fait ils font du bon boulot. Alors est-ce que c'est une question de prix, placement tarifaire, je sais pas. Parce que s'ils avaient fait l'ensemble à 10 € ça aurait convaincu plus de monde. Je saurais pas vous dire. Pourtant c'est une catégorie qui attire, mais je sais pas. Peut-être que s'ils sortiraient un mode DTM, là il y aurait peut-être beaucoup plus de monde. C'est pas évident à dire et moi je trouve le mode super bien fait. Bah, c'est cher, trop cher, enfin je sais pas. Je sais pas où on se place. Et je sais pas vraiment à qui ça s'adresse. Si on me dit c'est exclusivement pour les joueurs offline, ça va pas se vendre des masses. Et après c'est toujours pareil, hein. Si ça se vend pas, forcément ils vont développer de moins en moins. Et RF2 va, je peux pas y retomber dans l'inconnu, mais parce qu'ils ont fait des efforts, hein, faut pas se le cacher, mais en tout cas, voilà mon avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si vous avez des critiques, comme d'hab, je suis preneur. Le petit malin qui va me mettre encore un pouce vers le bas, mais n'hésite pas cette fois-ci à argumenter. Ouf. Je suis preneur, à moins que ce soit un jaloux. De quoi je vois pas. Mais bon. Bref, je m'égare un peu. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais terminer mon tour. Parce que l'air de rien, je m'amuse. Et on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine. Salut. Four, zero, seven.